skin gets its souffle. Amis téléspectateurs et auditeurs de Diaspo TV Channel 4 et auditeurs 1340 et auditrices 1340, c'est toujours un plaisir pour nous intervenir, comme promis, sur chaîne télévision Boîte-là, Channel 4 et 1340 AM sur Autoroute Expressway, côté qu'on est rejoint toute qualité d'information et rejoint toute autorité invitée qui vient sur Autoroute-là. Capable porter information pour nous-mêmes. Des informations vraiment utiles à la communauté et surtout communauté haïtienne noire, communauté haïtienne américaine noire. Nos pommes, c'est Benji Dillian avec toute ton équipe et executive producer nous, Alan Daphnis. Et je dis à moi, gagner en studio, c'est toujours un plaisir pour me gagner le micro moins. Mayor Mac Bernard, Palm Beach County Commissioner Mac Bernard. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Benji. Good morning, good afternoon, good evening. Happy New Year to you. Happy New Year to you as well. C'est toujours un plaisir avec cœur content que nous accueillons avec nous. Et ça qui fait nous plus plaisir, je dis, hein? We were a little bit shaking. Parce que nous, je dis, nous parlons qui j'en peux nous comporter, nous un petit peu starstruck. Parce que c'est meilleur. Mac Bernard que nous recevons à la studio. Well, you know, c'est magistrat pour Palm Beach County, but c'est nous-mêmes comité qui mettait magistrat pour Palm Beach County. Ça qui est très bien, meilleur Mac Bernard, magistrat Mac Bernard, merci pour bon créole là. Que nous même Mac prend créole moi là même. Donc à bas bois ça crève comme missionnaire. Moi monter le parler créole et puis qu'on a les points créole là même. Ce qui est vraiment bien et avec vous-même, c'est que tout d'abord, vous n'avez pas changé. Réellement pas changé. You have not changed. Vous toujours même monde, avec même sourire, la même façon, avec même sens de leadership que vous gagnez. L'homme qui a des nouvelles, là, come back fort. Je ne suis pas étonné en tant que un monde qui a suivi depuis très longtemps, qui fait plusieurs interviews avant. C'est que c'est avec action. Qu'on parle, c'est pas pour te flatter, c'est pas pour flatter vous, mais c'est que c'est réalité pour le monde qui a attendu, qui a suivre. Le jeune rentré à l'âge de 10 ans dans le pays aux États-Unis pour réaliser un événement capable de dire pareil, parce que non seulement ou c'est premier haïtien, ou c'est aussi premier noir, monde noir, race noire. Donc on représente une fierté. Pour Haïtiens-Américains, Haïtiens et Africains-Américains, tout le monde qui descend dans le noir et Africain, vous représentez une fierté pour vous-même. Comment jusqu'à présent, ce sentiment ça a été là vous-même? How does it feel? Well, it's a huge responsibility to be the mayor of Palm Beach County. Nous avons 1.4 million people that lives in Palm Beach County. And I remember just coming to the United States in 1986, a 10-year-old boy who would get that opportunity to come to the United States, and now, you know, 32 years later, to become the mayor of the county. It's a huge responsibility, it's a huge honor, and I take that responsibility very seriously because we have a lot of major issues that we have to deal with in the county, specifically in the Haitian community, things that we have to get done. And so because of that, I'm always looking at how am I going to improve my community? What am I going to do to make it better? Très bien. On parlait de improvement. Nous avons un petit genre avant que notre improvement, ça qu'on va faire pour la communauté, qu'on continue à faire, que ou déjà fait déjà. Et comment où t'es arrivé get ça pour venir magistrat? Parce que d'abord, nous connaissons que la communauté a été votée ou vini et commissioner région, tout Palm Beach, Fondissa, Amonio. Ce n'est pas une petite ville que vous représentez. Vous représentez toute région Palm Beach, si nous avons cherché mon créole, si mon capitaine est capable de corriger. Et moi, c'est arrondissement, si je ne me trompe pas, c'est comme ça, je crois.
et toutes différentes villes. Ça veut dire si mon étape dit c'est tel côté dans les organes, c'est petite ville ça, c'est mettre toute petite ville ça. Donc c'est toute une grande population parce qu'on va parler de des millions de monde que ou ça c'est responsable. Et qui gens que une faire et nomination ça côté qu'on vient devenu magistrat, qui process qui te suit, qui fait qu'on vient arriver magistrat après que ou fin élu comme commissioner. Well, process is a lot of prayers because in this job that we do, you have to have a lot of prayers and a lot of guidance. And so many people in this community have worked hard to vote for me to become a county commissioner. And in Palm Beach County, we have so many different municipalities. I represent Delray Beach, Boynton Beach, Hypoluxo, Lake Worth, Lantana, West Palm Beach, Mangonia Park, Rivera Beach, and Lake Park, all of those cities. And now the members who are on the commission, they elected me to be the one to lead all of Palm Beach County. And it's historic because, first of all, I've only been there for 2 years, and for them to have you know, the trust in me that I would, they have the faith in me that I would lead Palm Beach County. And also, you know, this is all of Palm Beach County. And so it's a great honor. And then plus I'm the first black male mayor in the whole county, not just Haitian, you know, not as just a Haitian American person, but as an African American black person, the first male to be mayor in this whole county, so it's a huge responsibility. So responsable different municipalities, ça y est pour mon yo cap suivre magistrat Mac Bernard qui avait nous sous Diaspo TV Channel 4 et aussi que Autoroute Express Route 1340 AM. Nous t'entendez assez souvent, mais c'est que d'apprendre des détails qui est réellement important pour la communauté, qui est réellement important pour toutes les familles et captadées. On parlait de difficultés, problèmes que aux responsables et un pile monde qui t'a voté pour vous ou t'a bâti campagne, non, à l'époque où t'as payé commissionneur, sous différents programmes. Par exemple, on parle en pile de housing development. C'était un petit peu détaillé, qui ça qu'on fait en tant que commissionneur depuis que vous êtes depuis 2 ans, le domaine housing, non, qui comme un changement pour toutes les constituants qui t'a voté pour vous. Ok, première fois, nous avons fait une campagne et nous avons voulu pour nous work on increasing the minimum wage for our county employees. By next year, by the end of September of 2019, we're going to have all Palm Beach County workers who work for Palm Beach County to make more than $15 an hour. So that's something that I had promised that I was going to make sure to work on a minimum wage for all of our county employees. Second, housing in Palm Beach County is getting too expensive. And so as a county commissioner, I've been working on what can we do to create more affordable housing in Palm Beach County. We had a housing summit and where we talked about here are the different ways that we can create more affordable housing. We have something that's called a workforce housing program in Palm Beach County where we finally got a chance to close. I believe I got an email the other day that says that we started closing on workforce housing where people are buying houses that are much less than they would buy it in the open market. So affordable housing, create more workforce housing, that's something that I've been working on. Donc ce sont des maisons qui sont beaucoup moins chères que mon yo capable joindre, capable selon est-ce que son bagage qui est basé selon un communio, l'argent qu'il a fait, ou bien un homme de famille qui va être dans ça, ou bien un groupe minoritaire que y ait, genre. Les based on the income and so workforce housing, we nous on workforce housing program dans county. Et d'ailleurs pour tout le monde qui a attendu nous, qui a regardé nous, dans Diaspora TV, dans 1340. So kabwele office nua, so swap shache the workforce housing, affordable housing, e really no na office nua na 661-355-2207. So really no na office nua no kapab edo pou nou diw, koman nou kapab edo pou kapab jwen workforce housing avec affordable housing na Palm Beach County. Est-ce que parfois comment c'est le fond qui est disponible pour
capable de m'appartenir aux amis auditeurs et spectateurs de Diaspora TV Channel 4 et WBR1340AM Autoroute Express. Amis auditeurs, téléspectateurs de Diaspora TV Channel 4, et bien sûr, Executive Production Alan Daphnis, sous contrôlant et caméraman nous, et aussi sous table contrôle, nous capables de dire WBR 1340 AM, Autoroute Expressway, encore Benji Dillian, bien sûr. De New Benji D à Marseille, ça sont l'autre chapitre que lié et nous capables ouais à l'œil nu, nous va priver la commission d'enquête. So you're Benji D now. Benji D, ça sont l'autre cause que lié et les amis auditeurs et téléspectateurs, on a bien chance là, nous pourquoi nous n'a pas capable de discuter sur ça et ça sont l'autre chapitre, nous qu'a dit ça et commissionnaire magistrat, son monde qui fait un pile bike riding, donc il connaît ça n'a pas lié avec notre petit Benji D, hein, il connaît très bien. Nappé continuer n'a pas très dans information qui est aussi importante. Nous avons parlé de juste avant la pause de affordable housing. Question que nous avons posé, c'est exactement et gagner et des capable d'aide financière, you know, financial incentive que yo buy et yo groupe de monde pour que yo capable acheter aussi de propriété dans différentes zones ou bien de zones que yo c'est cas un petit peu parler de ça. Est-ce que gagner li long programme workforce qu'on parle? The workforce housing program that we have in the county, there is a income requirement, so it's not for millionaires, but we have a lot of the residents that are watching us today or hearing us on the radio. They would most likely qualify for the workforce housing. We have four different criteria, so if you fit in one of those criteria, then we find the workforce housing homes that we have, and that we have rentals also available for our residents, and also we do provide gap financing to help in terms of the closing costs, depending on, you know, how much the lender is able to lend you, and then the county would provide some of the different financing to help you close. Donc ce que je veux dire, mon Dieu, comme s'il y a besoin un peu somme d'argent, et puis il y a l'autre quantité somme d'argent côté que quand on y a capable de mettre l'argent, ça évidemment le basé sur qui quantité l'argent qu'on va faire, et de là on est capable de qualifier. Bon, pour plus d'informations, comme on dit, on est capable de régler 561-355-2207, 561-355-2207, comme nous sommes capables de marquer l'entrevue, ça, nous sommes pas capables de faire tout détail, et commissionnaire et magistrat a réellement pris, et nous contents de ce que vous vraiment prenez pour que nous sommes capables de parler avec les amis auditoriaux et téléspectateurs de Diaspora TV. On a retourné un peu là, tu as parlé de wages, minimum wage, qui a augmenté, et c'était une programme l'an campagne nous et projet côté gain de société l'an campagne nous côté côté parler le programme ça ou dit que dans quelques temps mon yo capable est-ce que et minimum wage ça qui va monter à $15 là est-ce que c'est des travail dans hôtel dans restaurant ou ça dans le bureau qui type de travail est-ce que critère here's how it works. The state of Florida controls like they decide exactly what the minimum wage can be throughout the whole state of Florida. So that means that we cannot change the rules in the county in terms of saying what the wage will be. But what we decided to do as a county was we were going to be a leader by, we have over 6,000 county employees in Palm Beach County, where we've got like just, I think we have like less than 1% of our workers who make less than $15 an hour. So by the end of this September, when we start our new fiscal year on October 1st, we will move all of our employees to be making $15 an hour. So that's what we hope that we're able to do is to work with the business community to lead, and then so that way they can change their wages also. Also, we've worked with the school district, which you have so many employees in the school district also in terms of to increase their wages, and they've increased the wages for a lot of the bus drivers
in Palm Beach County. So that's, we're working in a collaborative effort to eventually move the rate to impact all of our residents in Palm Beach County. En parlant de bus driver, on connaît que et ça fait quelques temps et il y a une bagarre côté que différentes régions, différentes villes, villes a subi, subi. Oh, I gotta get my crew all together. Différentes villes a subi, c'est que qui en pile côté et ça fait quelques mois côté que c'était long match dans zone, il y a une école dans Palm Beach, t'es gagné, ils ont tiré. Donc nous venons plus exposés et avec crime et l'on bus driver yo. Gagné jusqu'à présent, il fut quand il y a à peu près quelques semaines, qu'on parle qui est le moins, et c'est qu'il n'y a pas de petit deal en bus là. Donc, qui ça, qui plan, qui gagne, et que nous planifions pour lui, pour capable au moins réduire le crime, ça, qui prévention qui fait, est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde qui drive, qui ailleurs, est-ce qu'il y a plus de training qui fait avec un policier de l'école, yo, and what's the plan, pretty much? Well, first of all, SEIU, which is the labor union who represents the bus drivers, we've been working with SEIU since we've been in office in terms of training the bus drivers to make sure that, you know, our kids are safe. And that's the bottom line. We want all of our kids to be safe in Palm Beach County when they go to school. So working with SEIU, working with the school district and the school board, what we hope is that we continue to do the training that are available to the drivers and to keep, and most likely is to make sure that we have clean buses and that we have new buses, which is why we passed the penny sales tax, so that way we can get new buses and just making sure that our kids have the best opportunities in the county. Now let's talk about civic engagement. A little bit earlier, I was talking. The problem that you said is that in our community, you have to understand processus politique là, façon que monde capable d'involver un jeune étudiant ou bien un parent quelconque n'est pas mon nom. As I would say, I called you the godfather of politics for our community. C'est pas godfather, nous connaissons. No. Non, non, c'est pas même godfather, c'est pas même parent. What is the process? What's the importance of being engaged, you know, in politics? Well, it starts really, really small. I remember when I was in my first involvement in politics was when I was an undergrad at Florida State University, where I joined the Haitian Culture Club in Tallahassee. And so that's how I was the parliamentarian. I eventually was the treasurer, and my sister was the president of the Haitian Culture Club in Tallahassee. And so I started getting involved in the Haitian community. And then one of my professors was running for mayor in Tallahassee to run for the first mayorship in Tallahassee. And I remember going knocking on doors with him. That was like in 1996. I don't know if that young lady, there's a young lady who's very, I know you know of her, JJ Janot. Yes. She's a little hardcore lady who's very involved. I think she's following your footsteps. Hey. Listening, JJ. Yeah, she. Big shout out to you. Is she at Florida State? Yeah, she's okay, at Florida State. Great speaker. Oh yeah, she's phenomenal. She's student. A great, great a student who went SCC. To Atlantic High School. Yes, product of scholar career. Coaching. Okay, so but I started at Florida State University, and then I knocked on doors in Tallahassee, waved signs, and then but I wanted to get involved in the community. So people who are watching, if you're young, you're college educated, or if you're even if you're in high school, you can do internships. We provide internships in our office, so please give our office. Jump ahead of me. Okay, so no, that's very no, good. But we, wonderful. You know, we want the young kids to be able to have that opportunity, and so you can call our office. We do internships, and so people would learn about how politics work and how to create legislation to improve your community. Let me go ahead for our university students who are listening right now to Old Expressway and Jaspo TV Channel 4. The number is 561-355-2207, 561-355-2207. You're watching our great guest this afternoon, this evening, this morning, I must say, on the Old Expressway and Jaspo TV, Mayor Mark Bernard and Palm Beach County Commissioner Mark Bernard, and this is Ben Jadillion, of course. On the camera, we have our executive producer, Alan Daphne. He makes us look good.
I'm just, He's always made me look good. Oh, I know that. We have to go on a commercial break. I'll catch you later. I'm gonna miss you. Merci à mes téléspectateurs de ce que nous toujours à suivre Diaspo TV, Channel 4 et 1340 AM, Autoroute Expressway. Bien sûr, avec nous, my paper is making a lot of noise, as you know. I like to touch so much. My daughter usually says to me, Mommy, you move your hand too much. So I'm trying not to move my hand because you guys are watching me, but you know that I do that. It's one of my habits. So anyway, comme nous t'avons parlé tout à l'heure, nous comptons de ce que nous toujours à suivre belle séquence ça avec Vitino, Commissioner Mac Bernard de Palm Beach County et puis magistrat nous, mais Mac Bernard. Nous continuons avec entrevuant, comme un petit grand dialogue que nous gagnons avec lui, il est censé couvrir en pile issue pour nous, en pile différents et topics. Et nous avons depuis le commencement entrevuant, nous avons parlé de et constituants, voteurs, monde qui votait au Québec, et non position. Est-ce que et voting, vote plan, sont très grande importance que lié parce que je dis un petit sur autoroute expressway, d'après insisté pour me dire mon yo, il n'y a pas qu'à prendre vote yo pour y prendre comme un vote qui juste pas de grande importance pour yo vraiment mettez que les politiciens yo accountable. Par exemple surtout et par exemple mon taco même, c'est pas que mon a voté pour parce que t'es tout simplement haïtien ou bien voté pour un étranger tout simplement parce que les gens centrés dans la communauté haïtienne là, les gens savent parler quelconque. What it is comme si importance vote là, que yon mon cap voté gagne et pour qui ça mon yo doit voter. Quel changement que pour faire que yo voter. Well, first of all, I believe that it is so many people work so hard to become a U.S. citizen. I can remember back in 1986, people who would come from Haiti, who would wake up at 2 o'clock in the morning to get on a bus, to go all the way out to 441 or go all the way out to Belglade so they can work in the gardens. So in that way they can eventually be legal in this country. And so we believe that voting is important because our ancestors, our people who fought to become citizen, you know, they did it. Tout ancien monde qui était là, parce que tu travailles en pile, le travail dur en pile. Yes, you travaille dans le jardin. And then so some of our kids, you prend pile humiliation. Yeah, in 1986, un moun pa ayme haïtien. Everything that you can think of. And kounyela, mais kounyela pa gen bout people encore. Kounyela gen magistrat Mac Bernard et county commissioner Mac Bernard. That is true, but you know what? What's important is that we want everybody to vote. Because I remember in the Haitian community, nobody used to ever recognize our community. Because first of all, you know, we didn't vote. And if you don't vote, you know, people don't really give you stuff in your community. So our streets would be dilapidated. You're not gonna have street lights. You know, you're not gonna have some of the things that you need to function as a community if you're not recognized, and that's by voting. But let me tell you, people don't want you to vote. You know, elections sometimes are at a time that they don't want you to vote. You probably pour voter. Comme c'est pas vrai pour une monde qui fait partie de changement. Non. En parlant de ça, et n'importe qui janvier qu'il est, n'importe qui dans politique plus haut, ok. On connaît que aspect qui gagne pour les immigrants actuellement. Par exemple, nous entendez le président nous qui fait des commentaires et immigrants qui commettent crimes. Mm-hmm. Et qui position avec ça, qui penchant sur ça, et comme si est-ce que c'est parce qu'on est immigrant tout simplement lié entre le pays, là, le tir en monde, soit qu'on dit en tant que monde qui est leader, mm-hmm. qui applique de toutes les différents groupes et monde. Mm-hmm. Well, first of all, you know, this president, son président qui est anti-immigrant, et
li gen pil moun ki travay pou li ki soti Jamaica, Haiti, but his everything about him, he is a racist individual. He's deplorable, and his actions in regards to dealing with immigrants are just immoral. And so this, like, to become a president of the United States, he has not stepped up to that role as being a president of the United States. And as Mitt Romney wrote yesterday, you know, he has not risen to that level. So we have to deal with this president the way he is. But some of his policies in regards to immigration are just, they're just immoral. And so what we have to do is, as a community, I do want to tell some of our immigrant friends who are listening, you know, to some of the our young kids, because we have a lot of young kids who are, you know, in the prison system and our jail system. You know, if you are an immigrant, and if you're not legal, or if you're not a U.S. citizen, there's a good chance that if you do commit a crime, this president will send you back to wherever country you came from. So my message to all of our young kids is, you know, you have to get your act right. You know, you have to do what you need to do. Go to school, get your education, go to college, get a job, live a good life. And that's my hope that some of our parce kids do. Parce que les bons, c'est que c'est parce que you're an immigrant. Mm-hmm. Il pas t'a supposé comme ça, parce que c'est pas que c'est un mon immigrant, ou bien les couleurs, qu'est-ce aussi. C'est que crime est un crime, a crime is a crime. A crime is a crime, but you know what? But I do always tell people, I know for me, when I came to the United States, I wanted to accomplish all of the goals that I could accomplish in the United States. And I, you know, coming here at 10, not knowing English and learning English and being in the ESOL program and going to college, going to law school, being an attorney, and now being a mayor for the whole county, you know, those, to me, that's the product of being an immigrant who wanted to succeed. And I hope that all of our immigrants who come to the United States will try to reach the American dream. Très bien, très bien. On connaît que nous pas arrêté en pile temps pour amis téléspectateurs et amis auditoriaux sur Autoroute Expressway et Diaspora TV Channel 4 et nous rapporte pas rapidement et hypomonio. Faut parler de notre ouais, dernière fois côté avec en pile driver mm-hmm. et Palm Beach, comment ça s'appelle? Yellow cab, parce que nous connaissons un phénomène de Lyft driver mm-hmm. et Uber driver qui viennent plus abordable pour que nous puissions payer moins. Et puis en pile chauffeur taxi, en pile là de Grampé Noir, Grampé Haïtien, Jamaïcain. Nous avons côté à Veyo, côté qu'on t'attendait et d'oléation, puis tu as parlé de problèmes que vous avez, comment que ça a affecté, est-ce qu'il a payé et en pile l'argent. Est-ce que vous avez suivi qui fait tout ça? Est-ce que vous avez notre plan qui gagne? Oh yes, what's going on with the taxi drivers is due to technology. We have Uber, Lyft, and all these, you know, apps that are popping up, and so the taxi business has changed. And so as a county, we're trying to figure out exactly, you know, what has changed and what we can do to help some of our taxi drivers. And a lot of our taxi drivers are Haitian, they're African Americans, and they're from Jamaica. And so what we're gonna do is, we had a meeting with the taxi drivers, with the owner of Yellow Cab, and also with our county employees that runs the airport. Starting this January, we're gonna meet with them again, so now we can figure out exactly what we can do at the county to alleviate some of the costs and some of the burdens that some of the taxi drivers are carrying. And so what the owner of Yellow Cab promised was whatever savings that we give, whatever break that we give Yellow Cab, then they will give the same break to the taxi drivers. So I believe that the taxi drivers hired an attorney, and starting this January, we hope that we're able to help some of our taxi drivers. So I mean, c'est vraiment bien. That will be extremely helpful parce que en pile taxi driver qui vraiment est complain. We are almost out of time. We're pretty much out of time. And qui dernier mot? And what's the plan? What should people be looking at? Est-ce que là quelques années plus tard, on dit est-ce que c'est gouverneur qui a gagné? But for now, we're gonna stick with the mayor, Mark Bennett. Est-ce qu'on travaille de près comme magistrat right now? Est-ce qu'on travaille de près avec un nouveau gouverneur ou bien nouveau sénateur de la Floride, avec Scott, tout ça? Well, we're about to. They take office this week, so
you know, they're going to take office this week, so we'll get a chance to meet with the new governor, meet with the new U.S. senator, and figure out exactly how they want to improve Palm Beach County and how they want to improve our immigrant community. And so that's kind of like what we're going to try to do. It's a brand new year, 2019, so we're trying to, all of the things of 2018 are in the past, and so now we want to move Palm Beach County forward. And what we want to do is make sure that the residents in Palm Beach County have health care, that they have the jobs in Palm Beach County, and for us to lower the homeless in Palm Beach County and to create more housing in Palm Beach County. Thank you so much. It was a pleasure having you. Merci en pile, Magistrat McBenard, Mayor McBenard, et Palm Beach County Commissioner McBenard. Mesdames, Messieurs, ça a vraiment fait nos plaisirs que vous suivez entrevue ça avec gros poteau et gastro ça que nous gagnons dans la région Palm Beach. Là, tout le monde n'est pas de côtoyer un peu partout à travers le monde. Nous connaissons pas le suivre segment ça. Nous remercions Executive Producer nous, Alan Daphnis, the one and only. Thank you so much. Et toutes les amis auditeurs qui t'ont suivi, nous, Jake Hume, Parisien, toute équipe d'info, merci, on va se dire. Même Julien, salut, moi, sur le métro. Until next time.